Si y a les pouillots sont décrans, c'est pas une terre de chien. C'est bon, tu veux voir un truc? Est-ce que tu veux voir un truc? Regarde-le bien, hein. Vous tirez, je vous assure que c'est la guerre. C'est bon, on tire pas, t'es relâche prêt? Tu tires, tu cannes. Libère-le. Ok, relâche-le. Libère-le. Pars. Allez, dégage. Tu prends ton gaz. Amenez-vous, on se casse. On va plus vous voir ici, putain. Allez, frère. C'est trop, ça allait partir en couille de toute façon. Ça part en couille et après ça va. C'est mort. Remontez tous. Les pneus. Allez, dépêchez-vous, prenez les véhicules, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous là, faut qu'on soit rapide. Laisse-moi conduire. Allez, dépêchez-vous là. Continuez, je prends un autre véhicule, je vous rejoins. Attendez un peu. SMA, attends. Continuez à courir, je prends un autre véhicule. On va où là? On va parler. Parler de quoi? Parler. Ok. Mais attends, laisse-moi m'installer. Non. Écoute, là. Tu peux avoir une petite boisson, s'il te plaît? En fait, t'as pas l'air de comprendre la situation. Je crois que t'as vraiment pas l'air de comprendre la situation. Maintenant, t'es venu de la part du concessionnaire. Tu fais quoi avec ta moto, ton masque là? Casse-toi. Casse-toi, oh, dégage. Sors mon concessionnaire, dépêche-toi. Allez, tu payes la facture? Je viens de sauver la vie en plus là. Ouais, je comprends plus rien. Allez, tiens, attends, je te donne les clés du BMX, les clés du cadenas du BMX. Et je te souhaite une bonne journée, Rico Punto. On se voit après pour la moto? Si j'ai assez, du coup, vu que j'ai plus de. Moi, je suis à zéro là. Je te ferai une réduction de 1007. Il va sortir. Ah, il va sortir, t'inquiète. Faut vraiment. Ah, putain, idiot. Stylé, hein? Là aussi, on se fait baiser, ouais, frère. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain! Ah, ils sont nombreux, ces fils de pute, hein. Y'a un mec auquel t'as parlé et un autre mec qui est parti se cacher. Putain. On descend au port. C'est là qu'on voit, hein. Tout au port. Prenez les voitures, les gars, on y va. Allez, fais monte. Je prends un sultan. Un, deux. Personne derrière. Tac, tu te rends compte que t'as perdu tout le monde. Ouais, j'ai la mafia, mais c'est pas des gars de mon groupe à part entière, tu vois. Non, parce que la veille, tu lui avais demandé une trêve, il a pas assumé sa trêve. Il est venu alors que tu lui avais donné. Je leur ai parlé de faire une trêve par rapport aux civils, je leur ai pas dit d'aller pas vous foutre des putains de balles dans la tête. Ah, d'accord. D'accord, donc 20 minutes avant une réunion, ça veut dire qu'ils pouvaient bousiller une réunion. Nous, on est venu quand même avec des balles dans le corps. Et là, c'est normal. Tu fais, t'attaques des gens après une réunion où il y a absolument tout l'illégal. Est-ce que tu comprends? Les flics sont venus, il y avait tout l'illégal. Derek s'est fait attraper. Est-ce que tu comprends ou est-ce que tu comprends pas? Il n'y avait pas tout l'illégal. Derek s'est fait attraper à l'hôpital. Pas sur la réunion. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Ça a chauffé. Il y avait des hommes à Derek qui étaient à l'hôpital parce qu'ils sont fait tirer dessus par vous. C'est qui les hommes à Derek? Il y avait des hommes à Derek. Tu veux la carte d'identité? Maintenant, je te dis, peu importe, t'auras beau raconter ce que tu veux. Tais-toi. T'auras beau raconter ce que tu veux. T'auras beau raconter ce que tu veux. Tu fais une attaque après une réunion d'illégal, ça n'a pas de sens et tu vas assumer. C'est tout. Tout ce que tu mérites aujourd'hui, c'est une putain de balle dans la tête. Ok. Et tu continues à justifier alors que c'est complètement con. Restez là, les mecs. Ok. Donc en fait, c'est ça, c'est des mecs qui viennent. Ils viennent d'arriver en ville. T'as tiré après une putain de réunion de l'illégal. Tu as foutu la merde dans ma putain de réunion. C'est la seule chose que je te reproche. C'est ça, t'arrives pas. Ça veut dire que eux, ils vous respectent pas. Ils font des devs comme eux. Ils ont pas tiré après une réunion de l'illégal. Ah, ils ont pas tiré. Ils ont pas loupé nos gars. Ils ont pas loupé nos gars. Ils vous auraient pu voir amener le coffre du haut. Et c'est qui qui a tiré sur nos gars alors? Vas-y, dis-moi. Il parle trop, c'est mais. Tranquille. C'est bon. Laissez. C'est qui nous a rien fait, Nanner? C'est du cinéma. Mettez-vous là, s'il vous plaît, à côté. C'est trop facile, votre délire. Ils sont là, ils font les grosses. C'est du violet qui pleure, sa mère. Et quand il y a la guerre, il pleure. Allez, tout le monde. Allez, regarde. Non, c'est toi que je veux. Toi, tu te mets ici, par contre. Toi, le chef, tu vas te mettre devant. Tu vois les vêtements tomber? Bon, j'ai un crévé, par cette. Oh. Ah. Et oui. Bah, au cadre avec lui, c'est beau. Ok, c'est chargez vos armes.
Eh, baisse ton arme toi là-bas. Ok, me dis à moi. Je vais te prendre à mourir si tu tires, hein, fais gaffe. On bat les corps. Visez celui qui est en train de vous viser. Ma mère, hein. Tu ressortes encore une fois ton arme, je te pète sur place. C'est beau, c'est beau. Écartez-vous un peu. C'est beau. 1 pour 5 l'endien, mon pote. Bien sûr. Alors, tout bougez pas. Hein. Ah ouais, t'inquiète, je me ferai pas de bouger. Allez. Tirez! Aïe aïe aïe! Filmez là! Et sa mère! Et il fallait plus maison! T'as mis des coups de crosse? Faites les premiers soins, faites les premiers soins! Allez, maniez-vous là, les gars! Je sais pas, moi frère, pour moi, ils sont tous morts là dans mon RP, ok? Dans mon RP. Après, vos informations HRP, vous les mettez dans le cul, dans le trou du fiac, bien profond. Vous prenez là, vous les posez ici et vous enfoncez loin. Ok. Moi, ce que je sais, c'est que ils sont tous morts. Sauf Mina, j'ai essayé de lui sauver la vie. Ok. T'es cool, plus, voilà. Ok. Ok, tes potes, ils vont bien? Ouais, je sais pas, c'est bon bien, j'ai pas eu le temps de voir. Je suis sorti par une autre porte. Et la police m'a posé des questions. Bien, je te dépose la construite. Ok. Tu vois Minos, c'est ça qu'ils font les amis. Ils se rendent des services et ils se sauvent quand ils peuvent. Est-ce que je te demande de l'argent? Non, Minos. Attention, je te donnerai pas. D'ailleurs, tu me dois toujours 6000 dollars. T'es sérieux Minos? T'es sérieux? Non, désolé, c'est un problème. C'est parce que faut que je fasse des blagues, parce que là j'ai failli mourir là, Selim. J'ai besoin de remonter le moral, je dois faire des blagues mon gars. Vas-y. Bah vas-y, refais le blague. Vas-y. Je sais pas, je suis à court d'idées là. Là ils sont baisés. Je sais pas si vous entendez radio, vous pouvez parler radio ou pas ceux qui sont. On t'entend. Dans la forêt. Ouais. Qui c'est qui conduit le camion dans la forêt là? Essaye d'envoyer une pause à celui qui t'entend. Le camion, il faut que tu tiennes jusqu'à qu'on monte là. Oh, pour les tenir, on dépose le camion, on arrive. On va faire exploser une non, mais une le problème, cochée, c'est que il répond pas là, il est baisé, je crois. Si le camion il est baisé, prenez pas de risque, cassez-moi ce truc. Si vraiment le camion il est baisé, c'est mort. Il est mort, je crois. Il baisse le camion. Ah ouais, il est mort, je crois. Juan, casse ta mère de là. Tu peux rien faire là. Ta mère est. 3 km, j'arrive sur Paléto. Et premier camion déposé au niveau du port. C'est bon, on a déposé le camion pour nous. Très bien, on arrive. Une pause, il va bien nous chercher. Ah ouais, je pense qu'ils l'ont tué. Cache au niveau de la plage. Oh, hein. Les mecs, j'ai plus beaucoup d'essence. Alors appelle et toi. Bro, il croit que le camion il a été éliminé. Hein. Mort. N. Si. Rick. Okay. Crustez-toi, ça va. Et kilomètre sur Paléto. Oui. Sa mère la pute. C'est moi la Sanchez rouge, hein, au cas où. Paradios. Pouillos. On arrive. M4. J'en ai tué un. Je l'ai pris en otage, je l'ai tué. Je m'en bats. Vous de la vieillère là. Ça a couru dans les maisons à côté. Tire, j'en ai tué un déjà. Sur la route. La route. Contour, je fais le contour de celui qui est en train de se battre. Il y a un Pouillos sur la route. Hein. Abattu. Attendez, je bois. Commandant, j'ai abattu le commandant. Tire de couverture. Est-ce que c'est qui me tire dessus? Oh, les flics qui sont partout. J'ai abattu le commandant. Pour la tête. Bon, hein, c'est serré. Ah, j'ai touché. Je tire dans la tête, il meurt pas ça. Y'a les flics, bougez. Et descends. Mais casse-toi! Mais putain! C'est mort. Ça tire. Frère, je sais même pas où je tire. Là, les potes à Derek, là, celui qui est en tenue des garages, fais attention. Hein. Tout va bien? Frère, j'ai le MS qui est sur moi! Ta mère? Allô? Non, je vais pas, c'est trop. Je peux pas bouger, je peux pas? Ok.
Non, c'est trop, le courant c'est trop, frère. Le courant c'est trop, casse-toi. Il vient te récupérer, hein, le gars garagiste. Viens. Bouge loin. J'ai vu que 2-3 flics, ils étaient là où il y a eu les premiers flics qui sont morts. Vas-y, j'y vais moi. Bah, je te jure que j'y vais aussi, mon frère. C'est ton bot, ça. C'est moi. Sa mère. Conduis. Ce bouffon croyait qu'il allait nous tuer. Allez, on se casse. Là, venez prendre Derek et l'autre. Prends, descends. En blanc, là. T'es pas avec moi. T'es le patron, et nous on trois pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour. Tu racontes que des